Cet été, sur la route des vacances, peut-être aurez-vous l'occasion de découvrir les colas régionaux, ces sodas qui proposent une alternative aux deux leaders américains. Comme eux, leurs fabricants taisent soigneusement leurs recettes. Comme eux, ils se caractérisent par des bulles et une saveur de caramel. À vous ensuite de les tester pour identifier leurs différences. Le plus célèbre est le Bress Cola, fabriqué dans le Morbihan en Bretagne depuis 2001. Premier des colas régionaux, Bress Cola a même réussi à s'imposer comme le principal concurrent des marques nationales. On trouve aussi dans cette région le Brit Cola, autre cola breton produit par la brasserie de Bretagne à Tréguin-Concarneau depuis 2009. Sur le modèle de Bress Cola, de nombreuses autres régions ont lancé leur production. Non loin en Anjou, Anjou Cola est commercialisé depuis 2010 par la société Anjou Market. Si vous allez à la montagne, vous pourrez découvrir Alpe Cola, un cola savoyard créé en 2005 et fabriqué par les brasseurs savoyards. De passage en Auvergne, vous dégusterez l'Auvergnat Cola, créé en 2009 et embouteillé à Bort-les-Orgues. En Alsace, vous pourrez accompagner votre bretzel de l'Alsace Cola créé par la société des sources de Soozmatt en Alsace. Vous êtes plutôt mer ? C'est les pieds dans les eaux bleues de la Corse que vous siroterez le Corsica Cola, produit par la brasserie Pietra depuis 2003. Et si vous passez par l'Ardèche, c'est le col Ardèche qui vous attend, distribué par la brasserie Bourganelle à Vannes-les-Bains. Tout au nord, les Ch'tis revendiquent leur identité avec le Ch'tila Cola, créé en 2004 à Hénin-Beaumont. Enfin en Vendée, c'est Vanda Cola qui vous attend, élaboré à Saint-Laurent-sur-Sèvre et commercialisé dans le Grand Ouest depuis 2008. Si le cola se déguste seul, bien frais, on peut aussi le transformer en cocktail avec ou sans alcool. En y ajoutant 10 cl de liqueur de pomme, il devient plus fruité. Avec du rhum et du jus de citron vert, il est le célèbre Cuba Libre. Et avec un trait de sirop de grenadine, on obtient une boisson très gourmande. Bonne dégustation, mais avec modération, car vous le savez, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À bientôt !